C'est ça mon nouveau business. Ah ouais. Je vais partir les gens à l'extérieur. Aux États-Unis, en Europe, partout. Ça m'intéresse. Même à Dubaï, hein. Comment ça se passe, dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer les gens dans la voiture, dans l'arrière. Je mets dans les cargos, ah ouais, dans les conteneurs et direct à l'extérieur. Sans risque. Je dis sans risque, sans visa. Moins cher en plus. Ça m'intéresse, gros. Tu es sérieux? Oui, sérieux. Ça commence quand? Dès que possible. Ah ouais. Les bonnes choses. Quand ça vient, c'est bon. Tu connais, ça, on va régler. Y a pas... Qui a entendu? Oui, j'ai entendu. On rentre dans la voiture là comme ça. Et puis on se retrouve à l'extérieur. Pourquoi tu veux aller à l'extérieur? Hein? Pourquoi tu veux aller à l'extérieur? Ça ne sert à rien. Ma vie va changer, non? Tu peux rester dans ton pays et te développer, non? Rester dans quel pays? Toi, tu as vu qui est resté? Ah, regarde les voitures, il y a des gens qui ont réussi, non? C'est pas des gens qui ont réussi qui ont acheté des voitures, là. Comme Bill Gates a voyagé. Dangote a voyagé. Les riches, ils ont tous voyagé. Dangote est resté dans son pays au Nigeria pour se développer. Il t'a menti. Il fut un moment où il est parti rester un peu à Lomé. Moi, je te dis, tu peux rester dans ton pays et te développer. Il y a des gens qui partent et ils deviennent. Mais pourquoi je parle même de voyage avec toi? Toi, tu n'as pas de passeport. Hein? Tu n'as même pas de naissance pour avoir un passeport. Moi, il t'a dit pour moi. Je vais voyager, je vais réussir. Tu vas regretter. Allons, rentrons dans cette voiture. Moi, je sais que je peux rester dans mon pays et me développer. Toi, si tu veux, faut partir. Tu pars illégalement, tu n'as même pas de numéro d'identité, tu veux entrer dans une voiture. Tu peux rester dans ton pays et te développer, non? Dès le jour que je t'ai connu, moi, je savais que tu étais un époux pauvre. Parce que voilà la boîte de la richesse qui est comme ça, va rentrer dans la donc, voiture. Qu'est-ce que tu dis que quand on part en Europe, on va trafiquement là, on devient riche? Je vois les gens, ils font les photos dans les rues là-bas. Ah, c'est les photos qui définissent les choses. Faut pas gâcher mon bonheur, je m'en fous. Moi, je vais rentrer dedans, j'irai aux États-Unis. Tu vas rentrer dedans, tu vas revenir, tu vas me voir dans de belles voitures. Reste tranquille, t'aimes trop les problèmes, reste tranquille, t'aimes trop les problèmes, reste tranquille. Bonjour chef. Oui, bonjour. Ouais, c'est moi qui ai payé pour Italie là. C'est le véhicule qui va en Italie, non? Non. La voiture qui va en Italie part depuis 8 heures, là il est déjà 10 heures. Non, c'est pas grave. Même si ça va dans n'importe quel pays en Europe là, je suis partant, je vais aller. Mais cette voiture va en Ukraine. Hein? Ukraine. Là où il y a la guerre là? Oui, ça chauffe là-bas, il est tombé de renfort. Ah, et où? Ah non, c'est bon, ça va, je vais rester dans mon pays et travailler. Tu es sûr? Oui, c'est bon, merci, c'est gentil. Sinon déjà à 11, tu es là-bas. Non, hein? C'est bon. Merci. Tu es sûr? Oui. Yeah. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie?